Prochain sujet, et là c'est toi qui vas parler beaucoup, parce que moi j'ai rien vu de ça. Okay. Euh, on va parler de les années Musique Plus. Ouais. Euh, c'est une. Je sais pas, si... ça l'a passé sur le nouveau, j'ai pas les dates exactes parce que je vous mets en contexte. Moi j'ai toujours aimé Musique Plus, la chaîne a fermé, j'étais un petit peu triste. C'est quelque chose qui jouait en background, c'est pas quelque chose que je regardais, surtout dans les dernières années parce qu'il y avait tellement de... de modifications, c'était plus juste la musique. Les, les séries réalité, je suis ah, pas, pas, pas mal moins fan. T'sais. Mais l'animation des VJ, euh, les entrevues, cinéma, la musique, pareil, j'aime ça, pareil, j'ai toujours aimé ça. Et là, euh, on a un épisode, qui a été présent, une série qui a été présentée sur Nouveau. Euh, C'est 10 épisodes avec euh, une entrevue par euh, des entrevues par Tatiana. Ah là, j'ai un blanc. J'ai pas, pas un blanc, j'ai son nom, mais là, je vais le prononcer tout croche. Je le ferai pas. C'est Tatiana. Tatiana blanc. Okay. Oui, non, c'est pas ça, mais c'est ça. Euh, puis, Paul Evoy. Oui, si je me trompe pas, c'est Tatiana Paul D'accord. Euh, qui, elle, était VG de 2009 jusqu'à 2012. Okay. Et puis, on, on, commence, on commence fort, là, si j'ai bien une belle note en quelque part, que je n'ai pas ce crêpe. aussi j'ai je les ai mis. Bon, voilà. On commence la série avec Sonia Benesra et Marie Plourde. Ah, L'autre, quoi? Comment ça va? Ah, <laughs> euh, Sonia Benezra. On va mettre... Attends, avant de, de parler des VJs des, des des comme ouais. tel, toi, premièrement, j'étais curieux de savoir, toi, étais-tu un fan de Musique Plus? C'est-tu quelque chose que tu écoutais? Jusqu'à temps que... c'est qu euh, qui, donc? Celle euh, le, le... qui donc, euh, le, le... est les cheveux blonds, qui, qui animait Solid Rock. Là? Paul Sarrazin. Sarazin. Juste qu'à Jusqu'à C'est vraiment... Pour moi, le... tu sais l'expression « jump the shark » Ouais. Tu connais cette expression-là? C'est Jump the Shark, ça vient de euh, um, Happy Days, où est-ce qu'il est arrivé une scène qu'à partir de là, tout le monde a fait l'expression Jump the Shark. La série est tombée à l'eau après ça. Peu importe ce qu'ils faisaient, c'était qu'à Puis C'est qu ah. okay. une expression qui euh, apparaît souvent lorsque les séries s'étirent trop longtemps. On est ouais. capable de retrouver un moment à quelque part où est-ce qu'on dit ça, c'est le Jump the Shark. Pour moi, l'événement Jump the en Shark... Vois, je pense que je vais être d'accord. Vas-y, vas-y. Blue jeans ouais, sur ça. la plage. On n'en a pas parlé dans l'entrevue. Non, non, ils ne l'ont pas mentionné. Après, là, je l'ai démarqué. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est parce que ce gars-là animait Solid Rock. Ouais. Euh, avait des entrevues avec Gene Simmons, avec euh, des, des gros noms de heavy metal, de ouais. rock, de grunge. il là, à un moment donné, il était tout content. Je pense que tout le monde au Québec qui, qui regardait Musique Plus était assis et disait Alright, man! Paul Sarazin sarrazin, s'il lance son band ça va être écœurant hein? La vidéo passe, il voit assis sur le bord de l'eau avec les petites canoës puis quand... Blue jeans sur la plage. Okay. What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça? C'est bien arrivé, ok, ouais. Fait que pour <laughs> moi, c'est de là, j'ai arrêté d'écouter, mais c'est plus. Ok, bon, ok. <laughs> J'essaie de... de, de parce que je comprends qu'il peut y avoir une générosité. En passant, si, je ne sais pas si... Ah, Il y a, y a, y a des commentaires, là, je ne suis pas capable de les lire. Quelle année animée, tout le monde écoutait Musique Plus, l'ancêtre de YouTube. Oui, en effet, Isabelle. La... Oui, oui. Effectivement, ça fait partie des choses qui ont été mentionnées en entrevue. Tu avais Reg Laplanche, tu avais euh, d'autres VJ qui ont fait bien Vincit. Cette... C'est quoi ça, d'ici YouTube? Si on est dans la marde, c'est fini, là. ça va finir là. Parce que la minute que tu commences à voir des vidéos clips sur YouTube, tu n'es plus obligé d'attendre que ton clip passe, tu peux avoir accès. Tant ouais, que tu veux. c'est de la musique. Fait que... la, la chaîne, elle n'a plus, plus sa, sa raison d'être. Mais il y avait. C'est sûr que ça reflète une époque, ça, ça reflète les, les besoins de l'époque. Euh, pour ceux qui sont vraiment plus jeunes, pour les autres, ça va être vraiment juste de la nostalgie. Imaginez une époque où ce il n'y avait pas d'Internet, il n'y a pas de Spotify, il n'y a pas dans ce temps-là, même avant ça, LimeWire un peu, il n'y euh, a pas de, de site de téléchargement de musique ou quoi que ce soit, puis il n'y a pas de YouTube. Tu es dans une situation où ce que arrive tu arrives de l'école, tu ne veux pas écouter les postes traditionnels parce que là, tu as, as des, des, euh, des affaires, tu as des jeux questionnaires avec Patrice Lécuyer, tu as des, euh, des shows de variété, euh, mon oncle tante un peu, ça ne te rejoint pas. Que tu mets ça à Musique Plus, puis tu sais qu'à certaines heures, avoir un, un, un style de musique qui va te rejoindre. Donc là, tu mets ça en background, tu écoutes ça, ou même tu écoutes ça attentivement, tu places ton vidéo, tu mets ta cassette VHS, puis là tu essaies de capturer les vidéoclips que tu as envie d'avoir pour pouvoir les réécouter encore et encore. Ouais. C'est un peu, à, puis dans ce temps-là, un peu avec la radio, on faisait la même chose. On avait un tape-cassette, on mettait une cassette avec des bobines dans notre la, dans notre radio. On attendait que le, le, le DJ à la radio ferme sa gueule parce que la tune commençait ouais. pour qu'on puisse l'enregistrer puis on se faisait des mixtapes comme ça. C'est comme ça qu'on capturait notre musique quand ça ne nous tentait pas de payer 15 ou 20 pour un, 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 un vinyle qui avait deux chansons qu'on aimait dessus ou une cassette. C'était ça. C'était la, la sorte de frustration qu'on avait de. Euh, là, c'est pour vrai, je vais payer 15$ pour une chanson que j'aime là. Il y en a qui le faisaient, mais bien du mmh. monde que tu sais, prête-moi ta cassette, m'en copier, puis euh, c'est ça. C'est le même que ça marchait. Fait que ça, c'est avant toute l'ère du numérique où, tu sais, pour le vrai, il y a une belle nostalgie de cette époque-là, mais je suis très content d'avoir euh, mon lecteur MP3 puis pouvoir changer. sais ouais. vrai, là, il y a comme. Je ne voudrais pas retourner en arrière. Mais pour l'époque que c'était, euh, T'arrivais de l'école ou du travail, tu t'étais fan de musique, t'avais des personnes qui étaient. C'est ça la, la distinction qui est importante. C'est les personnes qui travaillaient à cette station-là étaient passionnées de musique. Ils adoraient la musique, ils mangeaient la musique. Ouais. Et euh, ils étaient euh, quand même bons pour communiquer leur passion, leur intérêt. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet. À moins que aies les moyens de tout acheter les magazines de musique que tu faisais à l'époque, c'était leur job d'aller à la presse internationale, qui n'existe plus, euh, d'acheter toutes les magazines de musique, puis les, les, les ils recevaient les magazines d'industrie. Puis là, ils épluchaient tous les magazines, puis ils se faisaient des blocs d'animation avec ça. Tu avais les, les émissions de nouvelles, mais tu avais aussi euh, ce qu'on appelle des blocs VJ où on avait euh, l'animateur qui, lui, devait remplir 3-4 minutes entre les vidéoclips. Un peu comme à la radio quand un animateur remplit le temps, puis il prend des appels, puis répond aux questions. Fait Il y avait un paquet d'émissions spécialisées. Euh, chaque animateur avait son style, son style de musique, sa personnalité, ses intérêts. Comme justement, tu parlais pour Paul, Salara, euh, Paul Sarrazin, c'était oui. solid rock. Et puis, genre les auditeurs écrivaient ou ils appelaient et ils disaient c'est parce que t as, t as, ce que tu passes, c'est trop doux. Là. Mais tu sais, tu passes du tracks tu faire et tout. Mais pour, pour le monde qui sont vraiment hardcore, Metallica c'était rendu juste trop commercial. Il y a une période où est-ce que ouais, Metallica. Est qu est fait que là, ça. C'est toutes des choses comme ça. Et pour l'émission Les Années Musique Plus, Tatiana Polevoy euh, a pris la, a eu l'opportunité, a eu le, la brillante initiative d'interviewer les grands VJ de Musique Plus euh, sur 10 épisodes. Ça commence avec Sonia Benezra et Marie Plourde, qui étaient quand même au tout début. Sonia, pour ceux qui ne la connaissent pas, Sonia Benezra, c'était euh, une personne trilingue, anglophone, euh, parle espagnol, et euh, sa troisième langue, c'est le français. Là, les, parce qu'on a Music Plus au Québec, mais on a Much Music à Toronto, qui oui. est un peu comme la maison mère. Le, on est comme le, le, le petit frère de pour Music Plus, c'est comme le petit frère de Much Music. Puis, elle a fait l'audition pour aller à, 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 à animer en anglais. Puis, ils ont dit, non, 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 tu vas être bonne en français. Ils se sont rendus compte qu'elle était bilingue. Qu elle était bilingue. Puis, ils ont dit, non, s'il y a des entrevues à en faire en anglais, tu vas les faire, tu es très bonne. Et un des talents de Sonia qui est vraiment impressionnant, c'est la capacité de traduire, de faire une entrevue, de poser des questions intéressantes, de savoir ce que tu parles, et en plus de traduire l'entrevue live en français. Ça, c'est des affaires que... C'est un atout. C'est pas tout le monde qui était capable de faire ça. Alors, ça, c'est une des choses qui était le fun. Tu sais, pour quelqu'un, C'est ton band préféré, tu comprends pas un mot du monde anglais. Mais là, ils sont là. Ils sont à Montréal. Puis en plus, sur Sainte-Catherine qui bleurit dans les studios, le monde, il foxaient l'école, puis il venait, puis ils était cogné d'un Ça cognait pour pouvoir voir. Ton artiste, il est à 10 ou 15 mètres de distance. Il y a juste une vitre qui te sépare. Oui, il y a juste une vitre qui te sépare. Mais en tu sais quoi il y a combien d'épisodes dans cette Il y a 10 euh... épisodes. Ça commence avec Sonia Bénézra puis Marie-Plaude. Ça finit avec Louis josé qui a eu Dollar enfin Oui, c'est vrai, ça. Oui. Ben oui. ça, la, la thématique. Pour ceux qui connaissent Louis josé c'était fait. Il, euh, la manière que ça fonctionnait, puis il l'explique plus en détail. Mais il allait dans la voûte de Musique Plus, puis il explique tout comment il faisait son processus de sélection. Mais il prenait les, les clips les plus proches. Que personne ne voulait voir, qui ont <laughs> passé le moins, qui ont peut-être passé dix fois dans toutes les années de musique plus, puis les autres qui mettaient puis ils commentaient ça ouais. sans rire euh, euh, des personnes, sans les ridiculiser, mais de commenter un peu sur vraiment le manque de budget, puis de, de, de cette... ils faisaient des comparaisons de situations. Si vous connaissez Louis José Houd, il n'y a pas de la misère à improviser et à avoir du fun avec une situation. Fait que là, quand tu as du, des clips qui manquent de budget, qui font dur, puis que tu sais comment, qui okay, est pas dur d'avoir du matériel là-dessus, ça fait deux saisons. La raison s'est arrêtée, c'est parce que la carrière de louis josé a comme monté. Puis euh, lui, il sait, soit je suis rempli des salles ou euh, je vais faire de l'heure à clips. ce ce que, que je fais? Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Je pourrais en parler long? Combien de temps tu me donnes pour ça? Si tu veux qu'on arrête là, on peut arrêter. Il faudrait faut arrêter parce qu'il est déjà 34, j'ai des, des ans Puis à 8 heures, il faut que je commence en anglais pour ne pas faire ça trop long. Non, si, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas dormir dehors la soir. C'est bien correct, c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que les épisodes de, de ce que j'ai pu voir, si vous allez sur Internet, vous tapez les années. Musique Plus. Sur nouveau. Vous sur cette web de nouveau. Ouais, nouveau, je pense que vous allez avoir les épisodes en visuel, mais aussi il y a une option balado. Ça ne vous tente pas de, de regarder le visuel. Mais j'ai vraiment aimé ça. Pour ceux qui sont fans de Musique Plus, ça a tout ramené la nostalgie. Euh, vous avez la chance d'entendre des anecdotes qu'on n'a pas entendues ou qu'on ne savait pas par rapport au VJ, mm -hmm. les choses qui se sont passées et tout. Alors, fans de Musique Plus ou d'une époque que vous avez peut-être pas connue, c'est une belle façon de, de découvrir une partie de la culture du Québec qui est importante. Alors voilà. Merci Stéphane. Il n'y a pas de problème. Euh, alors, ça, c'était les années Musique Plus euh, disponibles en web série sur Nouveau.